Sí, aleluya. Gloria a Dios. Gloire au Seigneur. Estoy contento de estar aquí con vosotros. Je suis content d'être parmi vous ce soir. Antes de nada, un saludo a todos. Avant tout, je vous salue. Hace tiempo que no vengo. Il y a déjà un temps que je ne viens plus. Me dejáis un minuto. Vous me laissez quelques minutes. ¿Cuánto me da un minuto? Qui c'est qui me donne l'autorisation? Gloria a Dios. Gloire au Seigneur. ¿Puede cantar el cante ese que ha cantado el hijo, ese, el papá ese? ¿O dame un minuto, Señor? Sí, sí, cójalo. Sí, aleluya. La Biblia dice, donde está el Espíritu, mora la libertad. La Biblia nos dice, où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Me siento libre esta tarde. Je me sens libre. No voy a ser largo en el mensaje. Je ne vais pas être très long dans mon message. Y quisiera pedirte, iglesia. Et je voudrais te demander, iglesia. Con todo amor y cariño. Avec toute mon affection. De poder cerrar tus ojos. De fermer tes yeux. Y vamos a meditar estas palabras. Et nous allons méditer, nous allons rentrer dans la louange. Amén.
nada yo soy, nada yo soy. Te quiero sin nada. Yeah.
Dio sia tutta la gloria. A Dio tutta la gloria. Gesù Cristo, nostro Re, Messia. Gesù è il tuo cuore. Yeshua está aquí. Yeshua est présent dans ce lieu. Il se encuentra esta tarde con nosotros. Il est là présent parmi nous. Que bueno cuando baja la atmósfera del Espíritu Santo. Et quand l'atmosphère du Saint-Esprit descend. Y empieza a cambiar este ambiente. Y change l'ambiance, aleluya. Si vienes cansado, te va con fuerza. Si tu es fatigué, tu vas repasar. Si vienes triste, te va con gozo. Si tu es triste, vas pasar con la joie. Aunque pases por dificultad. Si tu pasas por dificultad. La alabanza que ha cantado la niña, la Carmen. La louange que notre sœur a chanté. La alabanza que ha cantado los hermanos. Les louanges qu'on a chanté, alléluia. Tout eso hace parte del mensaje. Tout cela fait partie de mon message. No sé si va a ponerlo aquí, pero Genesis 25 verso 21 a la lectura. Genèse 25 verset 21. Nombre, gloria, poder. Isaac pleura l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Gloria a Dieu. Et puis maintenant, tu pourrais coger Isaac. Le premier test, j'ai pris Isaac. Pero no, Isaac era el primero que ha pasado ahí. Mais Isaac était le premier à passer non, par là. No era el primero. Il n'était pas le premier à passer par là. Abraham, su padre, tenía el mismo problema. Abraham, son père, avait le même problème. Con mi respeto que tengo a la iglesia. Avec tout mon respect pour l'église. Sarai no podía tener Isaac. Sarai ne pouvait pas enfanter. Fue una gracia de Dios. Ça a été une grâce de Dieu. Ahora le nace Isaac. Maintenant Isaac va naître. Isaac se pone grande. Isaac va devenir un homme. Y le escogen a una mujer. On va lui choisir une femme. Su padre va mandar a su siervo. Son père Abraham va envoyer son serviteur. Y le va decir, escogele una mujer donde mi nación mía. Il va lui dire, va dans ma patrie pour chercher une femme pour mon fils. No le coja una mujer ajena, no, una de mi nación mía, de mi sangre. Pas une étrangère, quelqu'un de ma famille, de ma nation. Viene Raquel. Rachel va venir. Ahora ella se encuentra como su suegra. Maintenant, elle est semblable à sa belle-mère. No puede tener el niño. Elle ne pouvait enfanter. No, Raquel, Rebeca, perdón, me equivoqué. Rebeca, pardon. No, porque Raquel va a entrar también detrás. Raquel, c'est la belle-fille de Rebeca. Ahora Isaac se casa. Maintenant, Isaac va se marier. Et claro, con respeto a la iglesia, cuando, claro, un matrimonio se casa por querer el fruto de su del amor que llama el matrimonio, que es el hijo. Et avec tout mon respect pour l'église, lorsque un couple se marie, c'est pour avoir des enfants. Los niños son los frutos del amor de un matrimonio. Les enfants, ce sont le fruit d'un amour de l'amour d'un couple. La Bible nous dit. La Bible va nous dire Isaac va implorar. Que Isaac va implorer l'Éternel. ¿Sabes lo que es implorar? Tu sais ce que c'est implorer? Son grandes suplicas. Ce sont des grandes supplices. Pero que viene del dentro del alma. Qui sortent de notre âme. Y dice, y Dios le va a otorgar. Va exaucer. Dos naciones en su vientre. Il y a deux nations dans son ventre. Esaú y Jacob. Esaú y Jacob. Nos vamos a quedar con Jacob. Nous allons prendre que Jacob. Jacob c'était mec incapable. Jacob doit fuir. Porque le engaña a su padre. Parce qu'il va tromper à son père. Le roba la bendición del hermano mayor. Il va voler la bénédiction de son frère. Se escapa donde está su tío, el hermano de su mamá. Alors il va partir dans sa patrie chez son oncle. Là-bas. Qué bueno. Et ahí se va a enamorar de una. Et là-bas, il va tomber amoureux d'une fille. Rachel. Pero ahora, el suegro le engaña. Maintenant, le beau-père va le tromper. Le va a dar la más vieja, Léa. Il va lui donner Léa pour femme.
Bueno, que pasa lo que tiene que pasar y que termina con Raquel. Et puis après, il va quand même finir avec Rachel. Pero pastor, qué extraño. Mais quelque chose d'étrange. La nieta. Sa petite fille. El mismo problema que la suegra. ¿Por qué digo nieta? Porque madre, hija, y me ha entendido. Sarai, la madre, la hija, Rebeca y la nieta, Raquel. Les trois ont le même souci. Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Han pasado los tres, padre, hijo y nieto, por el mismo problema. Les trois sont passés par le même problème. Pero va a estar largo. Mais il arrive quelque chose. Abraham imploró a Dios. Abraham avait imploré Dieu. Y al tiempo Dios le ha dado Isaac. Et à son temps, le Seigneur lui a donné Isaac. Isaac imploró a Dios. Isaac a imploré aussi. Y le dio Jacob con su mano. Esaú et Jacob. Vosotros pensáis que Jacob no imploró también a Dios. Pensez que Jacob n'a pas imploré le Seigneur aussi. Claro que sí. Bien sûr que oui. Para que Dios también haga milagro en su casa. Afin que Dieu puisse faire le miracle dans sa maison. Hay una alabanza que me gusta mucho. Y hay un cantique que j'aime beaucoup. Que dice así. Y dice así. ¿Qué problema hay en tu vida? ¿Qué problema tu peux avoir dans ta vie? Que él no pueda resolver. Y no puisse résoudre. Por donde puedes pasar que él no pueda resolver. Par où tu peux passer que tu ne peux rien résoudre. Pero hay veces cosas. Mais des fois il nous arrive quelque chose. Que no son problemas. Que no son pas des problèmes. Nosotros pensamos que estamos en un tiempo de esterilidad. On pense qu'on est dans un temps de tiédeur. Stérilité. Stérilité, pardon. Que no podamos tener fruto. On peut pas donner du fruit. Que ya no alcanzamos. On n'y arrive plus. Estamos pasando por una épreuve. Nous passons par une épreuve. Y no parece más que dura. Et cette épreuve est longue. ¿Sabéis cómo lo llaman a Dios? Savez-vous comment on appelle Dieu? El divino alfarero. C'est le divin potier. Y el alfarero está para poder modelar, para poder trabajar, para poder hacer lo que modeler. Y él hace lo que quiere de cada cual de nosotros. Il va faire ce qu'il veut de chacun d'entre nous. Pero lo sabéis que el trabajo del alfarero. Mais vous savez très bien que le travail d'un potier. Una vez que acabado el de modelar, hacer todo lo que tiene que hacer. Une fois qu'il a fini le vase. Aunque la haya puesto mismo el sello. Même qu'il a déjà mis son seau. Pero tiene que pasar la hora lo que él ha hecho por el fuego. Mais ce qu'il a fait, il doit passer par le four, par le feu. Y el fuego sabe a cuál consiste. Et sais-tu quelle est la consistance du feu? No me voy en todos los sitios. Digo eso porque vas a comprender a de quiero ir. Je ne parle pas des côtés ou des nôtres. Non, non, tu vas comprendre ce que je vais dire. Cuando los tres amigos de Daniel estaban en el fuego, ¿qué es lo que se ha quemado una mano? Lorsque les trois amis de Daniel étaient dans le feu, qu'est-ce qui s'est brûlé? Cuando tú pasas por el fuego de prueba, lorsque tu passeras par l'épreuve, y que no llega a aguantar, et tu n'arrives pas à résister. No solo el llanto que se rompe, eres tú. Ce n'est pas tes. Soy yo. C'est nous qu'on va se briser. Soy yo que me rompo. C'est moi et toi qu'on va se briser. Porque no acepto el trato de Dios. Parce que je n'accepte pas le ce que Dieu veut pour moi. Porque no acepto de pasar, si puedo decir de esta forma, el bautismo del sufrimiento. Parce que je n'accepte pas le baptême de souffrance. Para enclavar la carne. Pour clouer notre chair. Es daño doloroso. Ça nous fait mal. Porque hay cosas que no queremos dejar. Bien des fois, il y a des choses qu'on ne veut pas laisser. Y cuando tenemos que pasar por el fuego de esa épreuve. Et lorsque nous passons par le feu de l'épreuve. Algunos tenemos, ¿por qué no tenemos Isaac, Jacob, las naciones, la bendición? Et bien des fois, on s'étonne pourquoi de nous, il ne sort rien. Il n'y a pas de nation, il n'y a pas d'Isaac. ¿Sabes por qué? Sais-tu pourquoi? Porque cuando estamos en el fuego de la épreuve de Dios. Parce que lorsqu'on passe par le feu de l'épreuve de Dieu. No queremos dejar el trato de Dios en nosotros. On ne veut pas laisser que le Seigneur puisse nous traiter comme il veut. Entonces, dentro del horno lo rompemos. Alors, dedans le four, alors on va se briser. ¿Qué hace Dios? Nos saca. Qu'est-ce qu'il va faire, le Seigneur? Il va nous ressortir. No parece más que nos deja en un rincón. Semblerait qu'il va nous laisser dans un coin. Y tiene que trabajar de nuevo. Il doit nous reformer. Y mientras está tratando de nuevo. Et tant qu'il est en train de nous reformer. Señor, ¿cuándo voy a estar bendecido? Seigneur, quand est-ce que tu vas me bénir? Cuando este tiempo de sequedad se va a apartar de mi vida. C'est quand ce temps de sécheresse va s'éloigner de ma vie. No parece más que estoy andando y otra vez vuelvo atrás y otra vez ando y vuelvo atrás. Il semblerait que je fais un pas en avant et deux pas en arrière. Mientras yo no acepte el trato de Dios. Tant que je n'accepterai pas le traité de Dieu. Il va siempre ir adelante y para atrás, ir adelante y para atrás. Un paso adelante, un paso atrás.
ma vie serait un pas en avant, deux pas en arrière. Ahora yo quiero aceptar el trato de Dios. Mais maintenant je veux accepter ce que Dieu veut pour moi. Quiere decir que tengo que aguantar donde Dios me está haciendo. Je dois supporter ce que le Seigneur veut de moi. ¿Qué importa el grado de ese calor? Peu importe le degré de la chaleur. Tengo que soportar. Je dois supporter. Alléluia. Por amor a Dios. Por amor a Dios. Cuando soportamos este trato, lorsqu'on va supporter ce traité de Dieu. Porque hay cosas en nosotros. Parce que bien des fois des choses en nous. Como dice esta alabanza, hay tantas cosas en mí. Comme ce cantique disait, il y a tellement de choses en moi. Que necesito cambiar. J'ai besoin de changer. Solo tu puedes venir. Il n'y a que toi qui puisses venir. Y con tu sangre limpiar. Et avec ton sang me purifier. Dios quiere tratar cada cual de nosotros. Le Seigneur veut avoir un traité pour chacun d'entre nous. On predico l'Evangelio. Je vous prêche mon Évangile. Y Dios me trata con vosotros. Et le Seigneur me traite avec vous. No porque que yo predico que ya he pasado eso y estoy no cada día Dios trata mi vida. Ce n'est pas parce que moi que c'est moi qui prêche que je n'ai pas part à ce traitement de Dieu. Y ahí trato donde me rompo el horno, no me da vergüenza de confesarlo. Et bien des fois moi aussi je me brise dans le four. Entonces Dios no puede terminar su obra conmigo. Alors le Seigneur ne peut pas finir son œuvre. Me tiene que sacar de nuevo y otra vez el ardillo no apara y hago comenzar de nuevo. Et le Seigneur me reprend de nouveau. La paz ya la tenemos en Cristo Jesús. La paix nous l'avons déjà. El descanso lo tenemos en Cristo Jesús. Le repos aussi. Tenemos todas las bendiciones en Cristo Jesús. Nous avons toutes nos bénédictions en Christ. Pero cuando Dios empieza a hacer un vaso, mais lorsque le Seigneur commence à faire un vase, por final después tiene que darle color. À la fin il doit nous donner la couleur. ¿Sabes por qué no alcanzamos el color? Sais-tu pourquoi on n'arrive pas jusqu'à cette couleur là? Porque siempre lo rompemos dentro del horno. Parce que bien des fois on se brise dans le four. Abraham con todos los problemas que ha pasado. Abraham avec tous les problèmes qu'il a eu. Hasta mentió. Il a même menti. Et mi hermana. C'est ma sœur. Dijo una media verdad. Il a dit une demi-vérité. Porque no dijo y de mi hermana ha hecho mi mujer. Parce qu'il n'a pas dit que de sa demi-sœur, il en a fait sa femme. Eran hijos de padre. C'était des demi-frères. No engañado. Il n'a pas menti. Pero no ha dicho más allá de lo que tenía que declarar. Mais il n'a pas dit totalement la vérité. Le llega este problema. Su problema alors arrive. Y sin embargo falló delante de Dios. Et sans cela, il s'était manqué envers Dieu. Pecado es pecado. Le péché, c'est du péché. Pero qué hace, se arrepiente delante de Dios. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va se repentir devant Dieu. Y en ese momento, pues claro que cuando invoca a Dios, pues Dios viene y se presenta delante de Dios. Y a ese momento, lorsqu'il va invoquer el Señor Dios se... siempre está delante de un corazón que busca, el que Señor. Se reconoce, le y Señor. Que está implorando el nombre de Jehová. El Señor es prêt a bénir celui qui implore l'Éternel. Dios nunca te deja solo. Il ne te laissera jamais seul. Siempre está de tu lado. Il est toujours de ton côté. Por muy rebelde que podemos ser. Même si on est très rebelle. Dios siempre se encuentra ahí. Il est toujours présent. Vaya, te amo, papá. Si él no ha dado el primero. Je t'aime, Seigneur. Mais c'est normal, c'est lui qui nous a aimé le premier. ¿Cómo no amarlo si él ha derramado ese amor en nosotros? Comment ne pas l'aimer si lui il a déversé cet amour en nous? Dios nunca te va a dejar. Il ne va jamais t'abandonner. Nunca te suelta de la mano. Il ne te laissera jamais. Por el problema donde estás pasando. Par l'épreuve que tu passes. Siempre él está ahí. Il est toujours présent. Sabe lo que él quiere. Tu sais ce qu'il veut. Que puedas reconocerte. Que tu puisses te reconnaître. Y que empieces a implorar el nombre de Jehová. Que tu commences a implorer le nom de l'Éternel. No sé cuándo, pero seguramente, y eso es seguro, que lo que declara en el cielo se hace vivo en la tierra. Ce que lui déclare dans le ciel, ça prend effet sur terre. Lo que él te declara a ti del cielo, ce que lui va te déclarer dans le ciel, al tiempo suyo, a son temps, lui. Lo verá. Tu le verras s'accomplir. Por favor, déjate tratarte por Dios. Alors laisse que Dieu puisse te traiter. Deja tratarte por la mano de Dios. Laisse qu'il puisse faire son travail. Está pasando por un fuego. Tu passes par le feu. Y tú te piensas que ese fuego. Et tu penses que ce feu. Es un fuego de problemas. Es un fuego. No. C'est un feu de problème. Non. Dios te está tratando. Dieu est en train de façonner. Perdón por mis palabras. Je demande pardon pour mes mots. No me da vergüenza de decirlo. Je n'ai pas honte de le dire.
Ah, pero tú predicas, normalmente tienes que saberlo. Quand tu prêches, normalement, ça ne devrait pas t'arriver à toi. Muchas veces me equivoco. Bien des fois, je me suis trompé. He confundido la prueba de Dios con la tentación que Satanás me quiere dar. J'ai confondu l'épreuve et la tentation. No porque que no sienta Dios. Ce n'est pas parce que je ne sens pas le Seigneur. Que Dios no está aquí. Que Dieu n'est pas là. No porque está orando y que no siente la mano de Dios que Dios no está ahí. Ce n'est pas parce que tu pries et tu ne sens pas la main de Dieu que Dieu n'est pas présent. Una alabanza antigua. Il y a un vieux cantique. En el templo de Dios un fuego se encendía. Dans le temple de Dieu le feu s'est allumé. Y nadie lo podía parar. Personne ne pourra l'éteindre. Porque el fuego de mi Dios. Porque el fuego de mon Dieu. En mi corazón está. Il est dans mon cœur. Y cuando dice en el templo de Dios. Lorsqu'il est question du temple de Dieu. Eres tú. C'est toi. Tú eres el templo de Dios. Tu es el templo de Dios. Ese fuego es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Le feu c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Es Dios. C'est Dieu. Que él ha venido a habitar dentro de ti. Il est venu vivre. Ha venido a aclarar la oscuridad de tu templo. Il est venu éclairer l'obscurité de ton temple. Y enseñar lo que falta arreglar. Et essayer de t'arranger. Lo que yo puedo lo hago. Ce que je pourrais faire, je vais le faire. Lo que yo no puedo es el que lo hace. Ce que je ne pourrais pas faire, c'est lui qui va le faire. ¿Por qué tanta duda? Pourquoi tant de doutes? ¿Por qué tantas preguntas? Pourquoi tellement de questions? Una pregunta loca. Y hay una cuestión un peu folle. ¿Cuántos son aquellos que creen en Dios? ¿Quién son ceux qui croient au Seigneur? Participa conmigo, iglesia. Si no lo crea, pues no pasa nada. Pero el que lo crea. Celui qui le croit, lève ta main. ¿Cuántos son aquellos que creen que con su palabra crea los cielos y la tierra? Avec sa parole, il a créé le ciel et la terre. Qui c'est qui le croit? ¿Cuántos son aquellos que creen en el poderío de la palabra de Dios? ¿Quién son ceux qui croient dans la puissance de la parole de Dieu? ¿Cuántos son aquellos ahora que creen que ese poder tan grande, ese Dios hermoso, lo tiene con él? ¿Quién son ceux qui croient que ce Dieu si puissant est avec eux? Si crees tú eso, ¿por qué dudas? Alors si tu crois, pourquoi tu doutes? ¿Por qué le pones límite a Dios? Pourquoi tu mets mes limites a Dieu? Si crees que con su palabra creo todo. Si tu crois que sa parole l'a tout créé. Si crees que con su mano ha podido façonner al hombre, con su aliento le ha dado soplo de vida al hombre. Si tu crois qu'il a façonné l'homme et qu'il a donné la vie, il a mis le souffle dans l'homme. Jesús resucitaba a los muertos, hacía andar a los paralíticos, curaba a los leprosos, daba vista a los ciegos. Se rechazaba a los demonios. Jesús tiene todo poder. No hay nada que se puede poner contra Dios. No hay nada que se pone contra Jesús. Nadie puede alcanzar. Nadie puede mesurar. Jesús es todo. Jesús es todo. Jesús es todo. Esto no puede. Entonces, ¿por qué le pone el límite? ¿Alors pourquoi tu mets le limite a Dieu? Abraham lo pudo decir. No, ya. No puedo tener más bendición. Hace tantos años. Y mira, todavía no tengo mi hijo. Y la que Dios casi a los 120 años fue padre de Isaac. Isaac a la edad de 90 años, si mal no recuerdo, era padre de Jacob. 60 años, no recuerdo los años. Je me souviens pero sé que eran avanzados los años. Mais ils étaient très avancés en âge. Fuera podido esperar, fuera podido perder la esperanza. Ils auraient pu perdre l'espérance de ne plus avoir la paix. Confianza. Mais ils auraient pu perdre la confiance en Dieu. Pero no, ellos se han agarrado en las promesas de Dios. Mais ils se sont agrippés aux promesses de Dieu. Abraham est más que tú. No. Est-ce qu'Abraham est plus que toi? Non. No hay, apartando Jesús, no hay ningún hombre de la Biblia que más que yo. A part Jésus, personne n'est plus grand que moi dans la Bible. Cuando digo yo hablo de la iglesia. Lorsqu'il est question de moi, c'est toute l'église. El Dios que han servido ellos. Parce que le Dieu que eux ils ont servi. Es el Dios que la iglesia sirve. C'est le Dieu que nous servons. El Dios que imploraba aquellos hombres. Le Dieu qu'ils imploraient. Es el Dios que la iglesia implora. C'est le Dieu que l'église implore. Dios que escuchaba. Le Dieu qu'on écoute. Es el mismo Dios que escucha la iglesia. C'est le même Dieu qui l'écoute. ¿Cómo Dios no te va a escuchar si ha dado su hijo por ti? Pourquoi il ne va pas t'écouter si il a donné son fils pour toi? Por favor, no dudes más en tu problema. Alors, s'il te plaît, ne doute plus. Dale confianza a Dios. Mets ta confianza a Dios. Es verdad que hay muchas cosas que pasan. Jesús está a la puerta. Tenemos la familia, tenemos esto, tenemos lo otro. Y yo mismo no digo más avanzar con el Señor. C'est vrai que je n'arrive plus à avancer. Il y a beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Cree. Crois. Y te salvaré a ti. Y tú serás sauvé. Y toda tu casa. Toi y toda tu familia.
Esos son promesas del Luardo. Ce sont des promesses. Del Luardo. Du frère, non. No es que no. Son promesas de quién? C'est les promesses de Dieu. Son las promesas de tu Dios. C'est les promesses de ton Dieu. Son promesas de tu Dios. C'est les promesses de ton Dieu. No soy largo esta noche. Je ne veux pas être long. Y créeme, Dios lo sabe, no escrito nada. La hoja la tiene. Et croyez-moi, la feuille est là, il n'y a rien d'écrit. Trois lignes. Quatre, cinq. Non, non, lo demás está escrito aquí en el corazón. Le reste, c'est dans le cœur. Cuando te pones aparte, lorsque tu te mets à part, hay dos formas de ponerse aparte. Il y a deux manières, deux façons de se mettre à part. Voy a decir la primera. Je vais dire la première. La primera es cuando me pongo aparte con Dios. La première, lorsque je suis à part avec Dieu. También comprendo la segunda. Que si cuando estoy aparte yo con Dios. Lorsque je suis à part, me acerco. Je m'approche. Me prosterno. Je me prosterno. Estoy alabando. Estoy adorando. Estoy glorificando. Y más yo le estoy invocando. Y más yo le estoy pidiendo. Y más yo me estoy gozando. Au plus je me réjouis, je l'invoque. ¿Has visto cuando te gozas en la presencia de Dios? Alléluia. Tu vois lorsque tu te réjouis dans la présence de Dieu. ¿Sabes lo que es? Tu sais ce que c'est? No gozo tuyo. Ce n'est pas ta joie. Lo digo como lo siento, pastor. Dios te hace ver el gozo que él tiene cuando tú te acercas de él. Entonces te hace compartir su gozo suyo. Il te fait ressentir la joie lorsque tu t'approches de lui. El gozo que Dios tiene que cuando tú vienes. La joie que tu as lorsque tu te réjouis dans le Seigneur. Y tú dices, ay, qué regalo su presencia. Et tu dis, c'est ta présence, quel. Es su gozo suyo que te hace él sentir. C'est ta joie, c'est sa joie lui qui te fait sentir. Mira l'amour qu'il te tiene. Voyons l'amour qu'il te porte. La segunda parte, cuando me pongo yo aparte sin Dios. Et la deuxième partie, lorsque je me mets à part avec Dieu. ¿Y sabes cómo es? ¿Por qué no ha llegado más avanzado? Et tu sais pourquoi je n'arrive plus à avancer? Hay una llave. Il y a une clé. Para que me impida de avanzar. Qui m'empêche d'avancer. Hay una llave que me impide a mí de recibir la gloria de Dios. Et qui m'empêche de recevoir la gloire de Dieu. Esa misma llave me impide de venir al culto. Et cette clé-là va m'empêcher de venir à la réunion. Esa misma llave me impide a mí de muchas cosas. Et de beaucoup de choses. Et cuando cojo la llave de la oración. Lorsque je vais prendre la clé de la prière. Y la pongo en un rincón. Je la mets dans un coin, je l'abandonne dans un coin. Y no la toco más. Et je ne la touche plus. La había entendido cuando me aparto de la oración. C'est lorsque je m'écarte de la. Cuando me aparto de la comunión. Lorsque je m'éloigne de la communion avec Dieu. Me aparto de su presencia. Alors je m'éloigne de sa présence. Entonces mi vida devient triste. Alors ma vie est triste. Mi vida devient angustiada. Ma vie est angustiée. Y ahora el enemigo viene con todo lo que tiene a poder darte pensamientos que son falsos. Alors l'ennemi va te mettre des pensées, des faux raisonnements. Tu Dios te ha dejado. Tu Dios no te escucha. Tu Dios te abandona. Y te abandona. Mira el estado donde te encuentras, ni viene tampoco a socorrerte. Regarde ton état, il ne vient même pas te secourir. No me dio que me ha puesto así. Ce n'est pas mon Dieu qui m'a mis dans cet état. Tu Gaston, soy yo que me ha preparado. C'est moi qui me suis éloigné. Soy yo que me he quitado. C'est moi qui me suis. Pero él sigue llamándome. Mais lui continue à m'appeler. Te sigue llamándome. Il continue à m'appeler. No hay ni un minuto donde Dios te, lo digo en francés, il n'y a pas une minute où Dieu te réserve un rendez-vous particulier. No hay. En vérité, no hay. A cada segundo, a cada batamiento de corazón, Dieu te réserve un rendez-vous particulier. Chaque battement de cœur, le Seigneur te réserve un rendez-vous particulier. C'est à nous à le saisir. A nosotros cogerlo ese momento. Saisis-le. Venamos al culto, cantamos la danza, lo estamos gozando. Nous sommes là, la réunion, chante des cantiques, on se réjouit. Pero realmente. Mais réellement. Tenemos más fuerza de seguir. Est-ce que tu as de la force de continuer? Tenemos más fuerza de luchar. Est-ce que tu veux encore combattre? Est-ce que tu as la force de levantar tu espada que está tirada en el suelo? Est-ce que tu as la force de prendre ton épée qui est à terre? Et dire nuevo a pegar. Et commencer à combattre. Estoy predicando. Je vous prêche. Y hoy, aujourd'hui, Eduardillo, moi, quiero implorar a Dios. Y veux implorer au Seigneur. Por mi vida. Ma vie particulière. Porque necesito, no hay un momento donde no necesito de su fuerza. Parce que à chaque moment j'ai besoin de sa force. No porque que prediquemos que estamos llenos de fuerza, llenos de poder. Y... Ce n'est pas parce qu'on est là, on prêche, qu'on est rempli de force et de puissance. Eres necesitado, soy un necesitado.
Tu es nécessiteux, moi aussi je le suis. Y en esta tarde, con el permiso del pastor. Ce soir, avec la permission du pasteur. Quisiera que los necesitados se sienten conmigo. J'aimerais que les nécessiteux, ceux qui ont besoin, puissent se lever avec moi. Quisiera que los necesitados se sienten conmigo. Puissent s'accrocher avec moi. Los que tienen falta de fuerza. Ceux qui ont besoin de force. Los que están pidiendo a Dios y que no ve fruto. Ceux qui demandent à Dieu qui ne voient pas le fruit. Cree en esta tarde. Alors crois ce soir. Pero no solamente de creer, pon en práctica ahora. Et non simplement de croire, mais mets-le en pratique. Pon en práctica lo que Dios te dice. Obedece a su palabra. Obéis à sa parole. Oremos, Señor, todos juntos. Nous prions le Seigneur tous ensemble. Ora, Señor, Señor, s'il te plaît. Seigneur, tu es Dieu, tu es roi. Merci pour ta parole qui m'a fait du bien. Je reconnais, Dieu mio, que je suis à terre. Et j'ai besoin de force qui vienne de toi. Seigneur, je suis incapable sans toi. Seigneur, peu importe les années d'expérience, peu importe qui je suis, j'ai besoin de toi, Seigneur. Seigneur, je veux passer de l'autre bord. Parce que de l'autre bord, il y a une bénédiction pour ma vie. Malgré la tempête et les problèmes. Seigneur, je veux passer de l'autre bord. J'ai besoin de toi, Seigneur. Ton église a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Et nous voulons t'implorer comme Abraham, comme Isaac, comme Élie. Donnons la gloire, mon Seigneur, mon Dieu. Restons dans la bonne ambiance de cette espèce. J'ai reçu quelque chose et je veux le donner. Quería darlo. Je voulais le donner. Pero lo tengo en mi corazón. Je l'ai dans mon cœur. Aunque no lo haya dicho en tant que profecía. Même si ce n'est pas une prophétie. Te lo voy a decir. Je vais quand même te le dire. Es para ti en particular. C'est pour toi en particulier. D'ici ainsi. Ça disait ainsi. Ainsi te habla Jehová. Ainsi parle l'Éternel. Lo que la hayas prometido. Ce que tu as promis. No tarde a cumplirlo. Ne tarde pas à l'accomplir. Escucha bien. Écoute bien. Te alabo, Dios Santo. A ti la gloria, Señor. Te glorifica mi vida, Dios del Cielo. Qué bueno, Señor. Se ha tratado. Il a été question. Primeramente de prueba y de fuego. Premièrement de prueba y de feu. Escucha bien, ¿eh? Alors écoute bien. Tú no eres más grande que Jesucristo. Tu n'es pas plus grand que Jésus. Jesucristo ha pasado por la prueba del Jésus fuego. Jésus est passé par l'épreuve du feu lui aussi. Ha estado metido en el horno. Il est rentré dans le four lui en aussi. En el sepulcro ha estado metido en el horno. Et dans le sépulcre c'était le four pendant par où il est passé. Y cuando el pan se ha cocido. Et lorsque le pain a été cuit. Ha salido. Il est sorti. Escucha bien, ¿eh? Jesús dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Jesús va a decir, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Cuando los hombres han comenzado a pegarle y hacerle las cuatro. Et lorsque les hommes ont commencé à le fouetter. No parece más que estaban amasando la masa que era buena. Ils étaient en train de le pétrir. La masa de pan. Cette masse était en train de la pétrir. Y una vez que han terminado, et une fois qu'ils ont fini, que eso se ha pasado en la cruz, tout cela s'est passé à la croix. L'han puesto en el horno, que es el sepulcro. Et ils l'ont mis dans le four, qui est le sepulcro. Y una vez que ha estado en el sepulcro, et après le sepulcro, l'han dejado un tiempo. Un temps est passé. Y ha sacado ese pan bien cocido. Et ce pain bien cuit, c'est tout. Oh, Dieu.
que nous estamos comiendo todos los días, que nous mangeons, lequel nous mangeons tous les jours. Et ce pain que comemos cada día, c'est le pain qu'on donne. Cuando abrimos la palabra de Dios, cogemos un cacho de ese pain y nos lo comemos. Lorsqu'on ouvre la parole de Dieu, on prend un morceau de ce pain. Cuando venimos al culto, lorsqu'on vient à la réunion, cogemos un cacho de ese pain y nos lo comemos. On prend un morceau de pain pour pouvoir le manger. Ha dicho, ¿por qué privarte? Alors pourquoi te priver? No te prives de comer el pan de Dios. No te prives de manger du pain de Dieu. Bendigo el nombre de Jesucristo. Las promesas. Les promesses. Escucha bien. Abraham. Abraham. 25 años ha tenido que esperar para que Isaac nazca. Il a dû attendre 25 ans pour qu'Isaac puisse naître. Isaac. Isaac. Ha tenido que esperar 20 años para que Esaú y Jacob nazcan. Il a dû attendre 20 ans pour que ses enfants puissent naître. Israel o Jacob. Israel o Jacob. No, no, no me acuerdo, no, no, no he puesto los años, pero escúchame. Y José es el que hace 11 de niños. José fue el 11. Ha tenido 10 niños con las otras mujeres. Y la eu 10 enfants avant. Y una vez que le han nacido 10, una fois que les 10 sont nés, la nació José de Raquel. De Rachel est né José. Aquella que él amaba. A celle qui l'aimait. Bendigo el nombre del Cristo de la gloria. Je bénis le Seigneur. ¿Sabes que puedes ser tú el José? Tu sais que tu peux être le Joseph. Muchas veces decimos nosotros. Bien des fois on dit. Escúchame bien, ¿eh? Dios no me quiere a mí. Dieu ne m'aime pas, moi. Dios no me escucha a mí. Il ne m'écoute plus. Escúchame bien lo que te quiero explicar en esta tarde. Eres el José que ha nacido el que hace 11. Tu es el Joseph, es el 11e enfant. Y te digo una cosa. Y yo te digo quelque chose. Es el que más amaba Jacob. C'était l'enfant que Jacob aimait le plus. Bendigo el nombre del Cristo de la gloria. Es verdad que Dios no tiene límite para amar. C'est vrai que Dieu n'a pas de limite pour t'aimer. Nos ama a todos igual. Il nous aime à tous pareil. Pero no digas que no han nacido todavía. Mais ne dis pas que tu n'es pas. Porque es una trampa del diablo, te está enseñando. Il est en train de t'aveugler. Para que no puedas poner en práctica lo que tú le has prometido a Dios. Ce que tu as promis à Dieu. Lo que le has prometido a Dios, no tarde a cumplirlo, por favor. Dieu ne tarde pas de la ¿sabes por qué? Tu sais pourquoi? Porque Cristo viene.